Antonio López de Santana, el maestro en contestar en México. Un chef de rebelde, que arroje de droit, como de elefantio, que tradició. Tu parto de ti, a votre caneta. La forêt du Mexique, connue sous le nom de Texas, s'est ouvertement et très fortement révoltée contre le pouvoir du généralissimo Santana. Le généralissimo dans sa grande beauté donne l'ordre suivant. Pour les hommes de la révolution, si cette ordre n'est pas promptement exécuté, le généralissimo se verra contraint de prendre la mission d'assaut. Il ne sera fait aucun quartier. Excusez-moi, qu'est-ce que vous cherchez là? Francis! Francis, en fait, il a une petite queue de cheval toute petite, une petite tresse dans les cheveux là. C'est en fait pour cacher la troisième oreille qu'il a. Il a une toute petite oreille dans la nuque là, juste derrière. Petite comme ça. Je voulais te voir parce que tu sais la première qu'on a fait là ici là. Ouais. Bon la régie son tu as planté quoi. Ouais, j'ai planté. Ouais. Bon. Ouais. Hier tu as planté aussi. Ouais, j'ai planté aussi. Ouais. Moi ma question c'est quand même on en a fait 40. 40 quand même 40 tu vois. Ouais. Et tu sais moi il me faut du temps hein, pour me chauffer. Hein. Moi les 200 premières, 250 premières, après je me plante bon une fois sur deux. Tu vois? D'accord. Et... 250 quoi. Mais t'inquiète, ça va bien se passer. Hein. Ok. Christine? 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 Vive Francis! Vive Francis! Vive Francis! Vive Francis! Moi! Moi! Qui est Francis, moi, au revoir Francis. Donc tu vois là, ça c'était pour le matin, mais par contre par rapport à ce midi, il a mangé des carottes en entrée, après du riz et des boulettes de viande. Et en dessert, après le dessert, il a pris un café. Ah ouais, non, Francis, non, c'est pas bon, ouais. Un café... Ah mince. Il est allé aux toilettes? Bah je crois qu'il est allé aux toilettes juste après, ouais. Mais non, Francis, ça c'est pas une saucisse, c'est un câble, ça se grille pas ça. T'es sûr? Arrête, mais qu'est-ce que tu fais là? Regarde. Ah, des saucisses! Là, nous allons entrer dans l'appartement de Francis. C'est là où il se recueille, où il mûrit son travail, ses créations sonores. C'est là où il vit, exactement, c'est là où il vit. Très sobre,
très sobre, l'épure, rien de superflu. Mais vous l'aurez remarqué, il y a quand même son outil de travail privilégié. 1, 2, 3, Francis ! Francis, Francis, Francis ! Francis ! Francis ! 1, 2, 3, Francis ! Francis, Francis, Francis ! Francis ! Francis ! Là-bas, allez, Francis ! 1, 2, 3, Francis ! Francis ! Ouais, tourne. Ah, dommage. Ah, ouais. 18-15. Les gars, on fait un bowling ? Un petit bowling ? En fait, on va vous dire un secret sur Francis. C'est dur à dire, franchement. Enfin, non. Mais en fait, Francis, c'est notre père. Non. C'est pas notre père, en fait, c'est notre mère. Bon, c'est vrai que c'est dur à dire et aussi c'est dur à entendre, alors ne le répétez pas parce que... Il est pas au courant, voilà. Il y a Francis Cabrel. Génial, moi je suis fan. Ah, j'adore. Francis Lalanne, très bon. Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola. Francis Huster, très bon, très très bon Francis Huster. Et il y a... Et Francis. Salut les gars. Ah, il y a Francis. C'est que moi là, j'en peux plus quoi. À chaque fois qu'il me voit, il veut monter sur mes épaules et moi je craque quoi. Je peux plus supporter, tu vois. Moi je suis épuisé quoi, je suis au bout du rouleau maintenant. J'aimerais vraiment qu'il arrête parce que moi je peux plus supporter ça. Hey filles, tu sais quoi ? Quoi ? Francis. Ouais. Eh ben, il s'appelle pas Francis. Mais il s'appelle comment, là ? Il s'appelle Francis. Oh la vache. Francis ? Francis ? Ah, je suis bête. Francis. Oui ? Mais Thierry, t'avais raison. Oui, et ben Francis, il aime bien. Ah ! Francis ? Hé hey. Hein ? Hé, hey, je suis là. Où ça ? Là-haut. Hein ? Viens. Je cherche des pommes de terre.
connais la boutique ? Non. Bah, viens. Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas. T'as une idée, toi ? Bah, non. Non. Non, j'ai pas d'idée. T'en as une, toi ? Bah, non, non plus. J'ai pas trop. Bon, bah. Je sais pas, on a qu'à dire que. On attend qu'il se réveille. Bienvenue au Stade de France. L'équipe Francis contre Francis sont en train de jouer. Oh là là, je vois une action qui se prépare. Francis, triple gardien, passe-moi jump. En deux frappes, but de Francis, incroyable. Oh, but. Il arrive, fin de frappe, crochet, triple gardien. Il met une frappe magistrale. C'était Francis dans Francis contre Francis au Stade de France. Merci. J'ai pris les chaussettes. Alors du coup, j'ai pris des chaussettes rouges. Ouais. Et j'ai aussi pensé au caleçon. Alors du coup, je savais pas trop si le caleçon ça allait le faire pour Francis, donc j'ai pris un slip kangourou comme ça. On est ouais. Sûr. Ah ouais. Voilà. Comment vous le sentez les bretelles ? Les bretelles ? Bah, pour le pantalon ? Ouais, il a des problèmes avec ses fermetures. Avec ses ceintures, il est nul. Il arrive pas à être en ceinture. Il arrive pas à mettre sa ceinture. Quoi. Bon, mais bah, alors, faut ouais, des bretelles bien solides, quoi. Toi ce qu'il y a d'important, c'est que ce soir 20h30, ouais. Soit au dodo. Ce soit plié, ouais. Ouais, faut qu'il se couche tôt, là. Ouais, non, mais c'est clair. Hein. Non, non, c'est... Ouais. Après, normal. Mais par contre, faut vérifier. Faut vérifier qu'il soit couché. Francis. Oui. C'est là où tu rentres, prendre ton bain. Prendre mon bain ? Ouais, vas-y. Quelqu'un le suit, hein ? Oui. Bon, il y a un qui a des gens qui sont... Ça va, t'es prêt ? Ouais. C'est bon ? C'est bon, c'est bon. Comment tu te sens là ? Ça va ? Ouais, je pense que bon. Ouais ? Bon. De la joie. Monte les micros, les micros, les micros, micros. Baisse les retours. Pense à tes retours, Francis. Baisse. Un peu plus d'aigu. Regarde la scène, regarde la scène. Tu regardes pas la scène, Francis. C'est bien, t'es parti. Je vais jamais y arriver. Allez, un bisou, vite. Voilà. Ça fait du bien. Souffle, voilà, tu vois, ça va mieux. Ça va mieux. Tu dois y arriver. Tu dois regarder la scène. Reste, voilà. Lève la main, tout doucement, tout doucement. Voilà, tu montes, voilà, tu viens. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, bien joué. Je attention, les retours, les retours. Voilà, douce. Attention, pas trop. Les retours. Francis, tu n'y es pas là. Hein ? Tu comprends ? Je pense que j'y arriverai pas. Bah, c'est pas grave, vieux, mais... Mais tu vas te faire virer, quoi, tu vois. Allez. Allez, tout à l'heure, là, mais bon... Donc j'ai vu Christine tout à l'heure. Bon, oublie un peu ce que je t'ai dit, quoi. C'est vrai que... Bon, c'est vrai que tu plantes un peu le spectacle, mais... Bon, ce qui est rassurant, c'est que, bon, ben... Bah, toujours un peu pareil quoi donc ça il y a une constance quoi c'est vrai que ah, bah, je suis content que tu reconnaisses enfin mon talent je... ouais. Vraiment ça me fait plaisir non. Oui. Muy bien habla con el señor López.
sommes tous réunis car nous avons tous une personne en commun. Quelqu'un que nous connaissons tous. Alors je laisse la parole à qui veut. Oui, en fait, c'est Francis. Un jour, il marchait dans la jungle. Il vit un lion qui se battait avec un chacal devant lui. Il prit un fusil et les tua les deux. Il m'a donné rendez-vous à 14h à l'épée de bois. Il m'a dit, si tu ne viens pas, je te tue. Bah en fait, c'est parce qu'il vient d'un asile de fous. Mais je tiens à préciser que dans cet asile, ils font des omelettes au jambon et au fromage. J'étais avec Francis dans le désert du Sahara. Et puis il est monté sur un chameau. Il frappe le chameau pour avancer. Et puis le chameau le renverse. Et puis Francis, il a fait une prise mais de malade. Et le chameau, il a tombé par terre. Mais on se dit, mais c'est quoi ce phénomène là? Comme vous le savez bien, Francis a qu'une paire de chaussettes. Depuis 30 ans. Francis, il aime bien jouer au ping-pong. D'ailleurs, il avale 3 balles de ping-pong par jour. Ouais. C'est étonnant quand même, hein? Catherine, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est des moustaches de léopard que j'ai tressées pour toi. Quand je pousse un bouton, je suis transporté, je m'évade. Je vais dans les nuages, je suis dans le ciel avec les oiseaux. C'est... Ah, je suis... Il n'y a pas de mots pour décrire ça. La console, elle est remplie de boutons. Quand j'étais petit, tout le monde se moquait de moi, j'avais plein de boutons. Ah oui. Mais moi, en fait, ce qui me fait vivre, c'est les émotions, quoi. Par exemple, j'aime bien ramper dans l'herbe. Y'a pas quelqu'un qui veut ramper dans l'herbe avec moi? Faire des petites fourmis? Si toi aussi tu m'abandonnes. Frère Francis, dormez-vous, dormez-vous. Sommez les Francis. Sommez les Francis, Francis Tong, Francis Tong. Tiens Francis, on a rédigé ça entre nous tous. C'est ta conduite, les choses à faire, à pas faire. Faut apprendre trop de pas sauter sur les épaules des gens. Pas monter dans les arbres, surtout quand le public est en train d'arriver, etc. Donc tu dis ça rapidement et puis ce soir t'assures. Alors en fait Francis, dès qu'on le voit, il y a un mot qui nous passe par la tête et moi c'est trousse de toilette. Noir. Français. Queue de cheval. J'en ai pas. Au son. Épaule. Saucisse. Omelette mangée. Chaussettes sales. Maladroit. Papillon. Original. Un âne. Orgelé. Sans amis. Remix Michael Jackson pour Francis tout de suite.
France 6 Dédicace à Francis, notre grand maître. Que préférez-vous entre une poule et un camion? Quand j'allais à la piscine, souvent je me disais, comment ça se fait qu'on n'entend pas bien quand on est dans l'eau? Il se trouve que on n'entend plus rien. Bon allez, c'est pas le tout, là faut s'échauffer la voix, donc debout ouais. Tout le monde. Articulation, hein. Francis. 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 Francis aime la saucisse. Pas le moment, Francis, allez, viens! Va dire à Christine d'appeler les pompiers. Mais dépêche-toi, dépêche-toi, s'il te plaît. Rhabille-toi, Francis, il y a des enfants là. Josh Ecole, was comme orchestre, Francis, Josh Ecole, was comme singisch Kornig, und du siehst letztes Muslave hit, hast kein andere Wahl. Was ist dann? Ja, ja, ich weiß es. Ah, nur Morebs, Tommy, du musst selbst laufen, du. Francis, Francis! Ja, ich weiß es! Ich komme hin! Gut, verdickel noch einmal. T'as vu pour l'horaire demain? À quelle heure tu vas chercher Catherine? Donc voilà, donc là on a toutes les personnes pour ce soir. Au niveau des programmateurs, il y en a beaucoup quand même pour le spectacle, pour acheter le spectacle l'année prochaine. Donc c'est très important que Francis soit pas là ce soir. Ça vous va? Okay. Ouais, okay. Donc, on va en parler là-dessus. C'est parti. Le vide.
Francis. Il s'appelle pas Francis. Les fils. Ah putain. Les fils. Tu sais quoi? Hey, tu sais quoi? Francis. Ouais. Il s'appelle pas Francis. Bah, comment il s'appelle hein? Francis. Il s'appelle pas Francis. Mais il s'appelle comment alors? Il s'appelle Francis. Oh la vache. Bonjour. Passer mes vacances.